Frères et sœurs, je vous invite à partager l'écoute de trois brefs textes qui nous placeront dans ce temps de l'Avent. Tout d'abord, dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 60, les deux premiers versets. « Mets-toi debout et deviens lumière, car elle arrive, ta lumière. La gloire du Seigneur sur toi s'est levée. Voici qu'en effet, les ténèbres couvrent la terre et un brouillard les cités, mais sur toi, le Seigneur va se lever et sa gloire sur toi est en vue. » Dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 3, l'annonce de la mission du Baptiste, chapitre 3, les versets 4 à 6. Une voix crie dans le désert, « Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers, tout ravin sera comblé, toute montagne et toute colline seront abaissées, les passages tortueux seront redressés, les chemins rocailleux aplanis, et tous verront le salut de Dieu. » Et enfin, dans l'Épître aux Philippiens, au chapitre 1er, la fin de la salutation que l'apôtre adresse à cette église de Philippe, les versets 9 à 11. Et voici ma prière. Que votre amour abonde encore et de plus en plus en clairvoyance et pleine intelligence pour discerner ce qui convient le mieux. Ainsi serez-vous purs et irréprochables pour le jour du Christ, comblés du fruit de justice qui nous vient par Jésus-Christ, à la gloire et à la louange de Dieu. Je vous invite à chanter au cantique 87 dans le recueil Louange et prière, les strophes 1, 2 et 5 de ce cantique de Zacharie qui en quelque sorte prolonge notre lecture. 87. Thank you.
Notre Père, nous venons de lire la Bible et réentendre des mots connus, peut-être trop connus et usés par nos habitudes, peut-être trop entendus et abîmés par nos désobéissances. Mais ce matin encore, donne-nous d'y entendre ta parole. Que ton esprit nous atteigne au plus secret de nous-mêmes, qu'il éclaire notre intelligence, conduise notre réflexion, qu'il habite nos mots et nos idées pour leur faire porter ta parole. Que ton amour nous accompagne au long de nos vies, souvent encombrées d'obstacles, mais aussi nourries de merveilles, car tu es un Dieu de vie et tu prends soin de chacune et chacun d'entre nous. Frères et sœurs, notre époque est à la fois une époque de recherche et de protestation. Recherche parce que nous voyons bien que notre société connaît des mutations profondes sous l'influence conjuguée des pressions économiques et écologiques sur nos conditions de vie, mais aussi de notre propre évolution culturelle, et en particulier la place de plus en plus primordiale que nous reconnaissons à la personne individuelle dans la légitimation de nos modes de vie. C'est un des enjeux essentiels, par exemple, de nos débats actuels à propos du mariage pour tous, comme du droit à mourir dans la dignité. Certains vivent ce temps de recherche avec espoir, parce qu'ils en attendent un progrès dans le respect des personnes. D'autres, au contraire, y voient avec crainte la mise en cause d'un ordre social qui, malgré des défauts, a montré sa pertinence. Recherche et protestation forte. Parce que d'un côté comme de l'autre, on monte au créneau armé de grands principes. Égalité, respect, dignité, liberté. Et évidemment, dans nos débats de société comme dans nos conflits armés, plus l'arme est lourde, moins la discussion est ouverte, et plus le risque de dégâts grands, dégâts sociaux comme blessures personnelles. Le temps de l'Avent nous propose une autre perspective sur notre histoire. Ce deuxième dimanche de l'Avent en particulier, qui est consacré dans nos liturgies au thème de l'attente du Seigneur.
Il nous est proposé de vivre notre temps comme un temps de l'attente. Pas seulement l'attente de Noël. Nous n'avons pas besoin de liturgie pour cela, tellement nos publicitaires nous le rappellent. Mais un temps de l'attente du Seigneur. Ce qui signifie fondamentalement que notre temps n'est pas un temps définitif. Il n'est pas rétréci, il n'est pas enfermé dans les dimensions de notre présent. Mais il plonge ses racines dans un passé où un événement fort a été posé. Il est venu et il est tourné vers l'événement attendu. Il vient. Notre histoire n'est pas finie, mais elle est tournée vers l'avenir. Et nos choix actuels ne sont pas le jugement final sur ce qui est bien ou mal, mais relèvent d'une éthique du provisoire et du limité, du temporel et de l'espérance. Une éthique du provisoire sur un chemin de vie où nous sommes accompagnés, il est venu, et où nous sommes invités à vivre en marche les uns avec les autres en accompagnant, parce qu'il vient. Accompagné et accompagnant. Mais qu'est-ce que cela veut dire ? C'est à cette recherche que je voudrais vous inviter ce matin avec les textes bibliques qui ont été proposés à notre lecture. D'abord, une éthique de l'accompagnement n'est pas une éthique sans conviction. Et provisoire ne veut pas dire relatif ou indifférent. Mets-toi debout et deviens lumière, car elle arrive, ta lumière. Ce cri du prophète Ésaïe s'adresse à un peuple dans le fragile et le provisoire vers le début du VIe siècle avant Jésus-Christ. Le retour d'exil a commencé, on a renoué avec le passé du culte à Jérusalem, mais la paix n'est pas garantie, le temple n'est pas encore reconstruit. Et le texte décrit la situation vécue alors avec l'image des ténèbres qui recouvrent la terre. Nous espérions la lumière, et voici les ténèbres. La clarté, et nous marchons dans l'obscurité. Nous tâtonnons comme des aveugles contre un mur. Nous tâtonnons comme des gens sans yeux. Une situation de recherche, difficile. On sait ce qu'a été le passé, on connaît la fragilité du présent et l'avenir est caché. Tout pour être craintif, pusillanime, tout pour rester caché, se protéger d'abord. Et pourtant le prophète exhorte, mets-toi debout et deviens lumière. Pas facile, frères et sœurs, d'être une femme ou un homme debout aujourd'hui. Mieux vaut rester tranquille dans son coin, mieux vaut s'écraser face aux violences de nos coins de rue, aux misères croisées sur notre chemin comme aux grandes injustices de ce monde. Mieux vaut faire le dos rond et se contenter de critiquer et de râler. Mets-toi debout et deviens lumière, car elle arrive, ta lumière. Israël est rappelé ainsi à sa vocation, à son identité même. Il y a là plus qu'une exhortation, plus qu'un encouragement, mais un retour à tout ce qui est au cœur de l'histoire et de la vie de ce peuple. Car Israël est d'abord le peuple appelé à être debout. Déjà appelé à se lever en Abraham, son ancêtre, pour quitter son pays, aller
vers la promesse de Dieu. Appelé à se lever de son esclavage en Égypte pour traverser le désert et la mer, passer de la servitude à la liberté. Appelé encore à se lever en Palestine contre les idoles de la terre qui promettent richesse, confort et plaisir pour être le peuple de l'Alliance, le peuple qui pratique la justice, un peuple appelé. Le prophète rappelle à Israël qu'il n'a pas d'autre identité, pas d'autre légitimité, pas d'autre vérité, ni droit au sol, ni privilège de race, que cette parole qui le suscite, le constitue et le met en marche. Mets-toi debout et deviens lumière. Ne sommes-nous pas appelés, nous aussi, à être ce peuple, à nous inscrire dans cette démarche, une démarche, parce que nous ne sommes pas la lumière, mais nous sommes appelés à devenir lumière en nous tournant vers celui qui est lumière. Une démarche, parce que nous ne possédons pas la vérité, mais nous sommes appelés à rechercher la vérité, en nous tournant vers la parole du Dieu de vérité. Une démarche, et une démarche attentive, lucide et parfois risquée, parce que nous ne sommes pas le chemin, mais nous sommes appelés à nous tourner vers celui qui est le chemin, la vérité et la vie. Une démarche de conviction et pas un immobilisme peureux. Une démarche de recherche et pas un dogmatisme prétentieux. Parce qu'au cœur de nos démarches de conviction, il y a nécessairement cette attitude du retournement vers Dieu. La teshuva du judaïsme. La conversion chrétienne, qui n'est pas seulement un acte inaugural de la vie chrétienne, mais une attitude constante, une disponibilité théologique et un principe éthique. Nous ne pouvons pas témoigner, partager des convictions, débattre, sans nous tourner vers Dieu et nous tourner vers l'autre. On ne témoigne pas contre pour vaincre ou détruire, mais on témoigne vers Dieu pour recevoir, vers l'autre pour construire. Alors, notre éthique est plus une éthique du discernement que de l'établissement. Préparez les chemins du Seigneur, disait Jean-Baptiste, préparez, et non pas fixez. Éliminez les obstacles de la route, ces montagnes que nous avons élevées sur les chemins du royaume de paix et de justice, ces ravins creusés entre le Seigneur et son peuple. Dénoncez les détours et les démarches tortueuses qui égarent, préparez les chemins du Seigneur. Oui. Mais c'est le chemin du Seigneur. Pour parler de ce discernement, je reviens souvent au vieux récit des chapitres 13 et 14 du livre des Nombres. Israël est vers la fin de la traversée du désert sous la conduite de Moïse, fatigué d'une longue route, d'une longue histoire. L'acte fondateur de la libération a été oublié et on ne se souvient plus que des difficultés. Et l'avenir inquiète. Les espions envoyés en avant vers la terre promise rapportent qu'elle est pleine d'ennemis nombreux et fortement armés.
Alors le peuple a peur, au point de vouloir retourner en Égypte. Il ne se voit plus d'autre avenir que son passé. Alors le témoignage de Josué permet un autre discernement. Ce pays que nous avons exploré est un très, très beau pays. Josué, lui aussi, pourtant, a vu les périls, les puissances, les risques. Mais il a posé là-dessus un autre regard, un regard éclairé par la promesse de Dieu. Le Seigneur nous mènera, le Seigneur nous donnera. Le discernement, c'est de voir plus juste parce qu'on voit autrement. C'est de voir plus loin ou plus profond parce qu'on a un autre regard. Et voici ma prière, écrit l'apôtre à la petite communauté de Philippe, sans doute au moment où il est lui-même en prison. Que votre amour abonde encore et de plus en plus en clairvoyance et pleine intelligence pour discerner ce qui convient le mieux. Un discernement clairvoyant et intelligent, éclairé par l'amour. Clairvoyance et intelligence tout d'abord. Elles ont souvent mauvaise presse aujourd'hui. La clairvoyance qui essaie d'analyser les situations, d'en comprendre les raisons et les moteurs. L'intelligence qui essaie de mesurer, de tracer des chemins, de prévoir les conséquences. Tout cela apparaît bien froid par rapport à un cri du cœur ou la force d'un désir. Et notre société manifeste souvent son impatience quand on ne cède pas tout de suite aux passions du moment. Au point que nous sommes en train de transformer le rôle de la loi dans notre société, son rôle de régulation en faveur des plus faibles est de plus en plus contesté, et on attend d'elle essentiellement qu'elle autorise nos désirs et qu'elle les rende possibles, sans trop vouloir en mesurer les conséquences pour les autres. Clairvoyance et intelligence. Il y a un combat à mener pour cette recherche-là aujourd'hui. Mais clairvoyance et intelligence par et pour l'amour. Et ici, l'apôtre ne parle pas seulement d'un sentiment. Le sentiment d'amour, c'est important, certes. Mais l'apôtre parle de l'attitude du Christ. L'amour qui se tourne vers l'autre et pas le désir qui attend que l'autre se tourne vers moi. L'amour qui sert l'autre et pas celui qui se sert de lui. L'amour qui se donne à l'autre et pas celui qui se l'approprie. L'amour de Dieu qui est au cœur de notre conviction de foi. Souvenez-vous, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, celui que nous reconnaissons comme le chemin, la vérité et la vie. Une démarche de conviction et de conversion, un discernement clairvoyant et intelligent, éclairé par l'amour, c'est le sens d'une attitude que je caractériserai comme celle de l'accompagnement. Et il me semble qu'aujourd'hui, entre la tentation des attitudes autoritaires du dogmatisme et les abandons du laisser-aller de l'indifférence,
il y a ce choix possible pour notre témoignage et notre service de l'attitude d'accompagnement. Car accompagner, c'est d'abord respecter. Si je m'offre à accompagner, ce n'est pas moi qui définis le chemin, mais j'avance avec l'autre sur son chemin. Bien sûr, je peux l'aider à se repérer s'il s'hésite. Je peux l'avertir s'il me paraît qu'il fait fausse route. Mais accompagner l'autre, c'est accepter d'aller vers la destination qui est la sienne par le chemin qu'il choisit. Accompagner, c'est aussi garder sa liberté. Quand j'accompagne, je peux avertir dès le départ qu'il y a des chemins que je ne veux pas prendre. Je peux aussi à tout moment discuter et refuser d'aller plus loin. Mais je peux aussi entendre la demande de l'autre, sa plainte ou sa peur, et accepter de faire avec lui un bout de chemin de plus que ce que j'aurais peut-être pensé faire. Accompagner, c'est donc dialoguer, pour se dire l'un à l'autre où on en est du chemin, de quel obstacle on a peur ou quelle issue se présente, pour vivre une libre solidarité dans laquelle chacun peut s'engager avec confiance. Celui qui est accompagné parce qu'il connaît la main qui le soutient, celui qui accompagne parce qu'il sait qu'on ne l'amènera pas dans un piège. Car l'accompagnement est toujours réciproque. Accompagner l'autre sur un chemin de vie, même si c'est celui de ses difficultés, même si c'est celui de sa fin, c'est aussi être accompagné sur le chemin de sa propre vie, de ses propres projets, de ses propres peurs. C'est pourquoi c'est toujours aussi difficile, mais aussi riche. Accompagné parce que nous sommes nous-mêmes accompagnés. N'est-ce pas ce que nous rappelle ce temps de l'Avent ? Dieu sur nos chemins, Dieu qui partage notre condition, notre histoire, Dieu qui parle et qui écoute, Dieu qui dialogue avec nous, Dieu qui marche avec nous, bien plus, Dieu qui se fait chemin, vérité et vie. Mets-toi debout et deviens lumière, car elle arrive, ta lumière. Que votre amour abonde encore et de plus en plus en clairvoyance et en pleine intelligence pour discerner ce qui convient le mieux. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Amen.